Abdelhabib est un peintre du Maroc. Il est berbère, il est amazigh, il est un autochtone de l'Afrique du Nord. Florent Volant est un chanteur du Québec. Il est Innu. Il est un Amérindien, un autochtone de l'Amérique du Nord. En apparence, ils viennent de cultures complètement différentes. Leurs territoires ancestraux sont éloignés, séparés par un océan. Ils ne se ressemblent en rien. Les uns voyagent sur l'eau et dans les forêts immenses, les autres affrontent la chaleur et la sécheresse. Qu'est-ce que ces deux hommes, Florent Volant et Fouad Labib, ont en commun? Ils appartiennent à des cultures marginalisées dont on souhaitait la disparition, qu'on voulait assimiler et dont on interdisait la langue et les coutumes. Étaient-ils vraiment des sauvages ou des barbares, ou simplement ont-ils une autre manière de voir le monde dans un esprit d'harmonie, de partage et non de conquête? En se rencontrant pour la première fois, Fouad Labib et Florent Volant apprendront avec nous à quel point tous les hommes se ressemblent, où qu'ils vivent. Bonjour Florent, comment ça va? Très bien. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Hein? Moi aussi. Comment ça va? Très bien. Moi, je viens ici depuis que je suis enfant, là, puis c'est l'immensité ici. Oui. Oui. En tout cas, moi, je suis dépaysé. Ça ne ressemble en rien à ce qu'on a au Maroc. On va marcher, puis je vais te raconter un peu c'est quoi ce que nous autres, d'où on vient. Ton nom, toi, c'est quoi? Je m'appelle Yeshu, c'est un nom d'artiste. Votre région ici, ça fait partie du Nord. Ici, c'est la côte. Oui. Okay? C'est la côte. Le fleuve. Ici, c'est le fleuve. Ouais, ouais. Le fleuve. Puis, il y a beaucoup de communautés innu qui sont situées sur le... Sur le long du fleuve. Sur le long du fleuve, ouais. Tu vois. Puis le vrai territoire innu, ouais. OK, ouais. C'est vers le nord. Plus vers le nord. La route pour se rendre à l'intérieur, c'est la rivière. Ah, la rivière. C'est un lieu qu'on habite l'été. Le reste du temps, c'est à partir de l'automne, nos parents, ils retournaient en forêt, ils retournaient dans le nord, puis ils habitaient le nord. Là. Ça, c'est un mode de vie que nos grands-parents avaient. Notre génération, à nous, on est devenu sédentaire. Sédentaire. On est passé de la raquette à l'Internet dans l'espace d'une génération. Là. Puis étant une minorité, souvent, on a à lutter pour prendre notre place, puis la lutte, elle est constante pour rester vivant dans notre âme. Que ce soit en Afrique du Nord, au Maroc, ou en Amérique, au Québec, le monde a changé. Aujourd'hui, l'océan qui sépare les Amazighs et les Innus n'est plus infranchissable. Les peuples autochtones ne sont plus isolés. Florent Volant et Yeshu entreprennent un voyage où ils vont partager la fierté de leurs origines, la passion de leur culture et le combat pour que cette culture trouve la place qui lui revient. Merci. Ta première langue, c'est le berbère, c'est oui, ça? Oui. Avec ton père, ta mère, c'est en berbère. Oui. Oui. Mais après, à l'école, tu apprends le français? Oui, français. OK. Chez nous, c'est un peu différent parce que c'est pas tout de suite en innu. Au départ, c'est en français, puis très peu en innu à l'école. Pour les enfants, c'est quelque chose qui manque parce que c'est les langues autochtones chez nous. C'est des langues qui sont en train de se perdre. وهو يبين لا يجدي تدارت النس كل سنة جمعة اللي يديا غول سيعاري لا يعلو المال النس Pendant longtemps, on n'a pas vu de film qui parlait notre langue. Lui, c'est le premier film qui est subventionné par le centre culturel, le centre cinématographique marocain. Il y a un but.
c'est qu'il ne faut pas laisser mourir cette langue, cette tradition. Il faut tenir et un jour, dans ma vie, quelque chose va arriver. Mm-hmm. Et finalement, je suis arrivé maintenant, la situation s'est débloquée avec le nouveau roi, très ouvert. Et moi, je pense que c'est le démarrage de la naissance de la culture amazigh. Si la langue innue s'éteint, il y a toute une forme de tolérance qui va s'éteindre, puis il y a toute une forme de compassion, je crois, qui va partir avec le fait qu'on va changer de mentalité, le fait qu'on va changer de langue. Je dis pas qu'il y a pas de compassion en français ni en anglais, mais elle est très présente en innue. Faire des films en amazigh, ça va faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien à la totalité du peuple marocain. Mm-hmm. Parce qu'on va se retrouver dans nos racines et on va être plus à l'aise et on va pas se dire, tiens, la culture française nous a envahis, la culture arabe nous a envahis. Non, la culture française et la culture arabe, la culture espagnole, nos voisins, tout ça, c'est nos cultures. La reconnaissance de la langue amazigh comme langue officielle au Maroc, est une revendication très importante pour le mouvement amazigh. Quelquefois, tu n'as même pas le droit de parler ta langue dans des... Même aujourd'hui? Oui, c'est possible que même aujourd'hui, dans une conférence, tu ne peux pas la faire en amazigh. Par exemple, quand j'ai écrit ma plaque devant mon bureau, c'était en amazigh, l'arabe et en français. On m'a arrêté une semaine à cause de ces caractères-là. Aujourd'hui même, on interdit parfois à un amazigh de donner le nom de son nom, un nom amazigh à son enfant. En 1957, un sociologue écrivait avec le sentiment de supériorité du colonisateur. Il n'y a pas de race berbère. La langue berbère n'a pas eu la fixité ni la durée lui permettant de se transformer en un dialecte. L'art des berbères, c'est l'art local indigène. Il est de bien mince importance. Il n'y a chez les berbères ni peinture, ni d'ailleurs de sculpture autonome. Pour ce qui est de la musique, il n'y a rien à signaler qui paraisse intéressant. Les berbères n'ont, pour ainsi dire, jamais eu le sentiment de leur communauté, le goût de le mettre en valeur. Ils l'ont aujourd'hui moins que jamais, et ils ne l'auront pas à l'avenir. Il y a partout des bâtons dans les roues. Il y a partout, voyez-vous, des obstructions pour essayer d'empêcher d'enseigner cette langue à tous les niveaux. Au niveau de l'État, au sommet de l'État, bon, ça va, on a fait des concessions, d'accord, on nous a donné les droits. Mais au niveau de l'exécution... À votre avis, c'est les partis politiques qui font ces bâtons dans les roues. Les partis politiques anti-amazigh, c'est sûr, les partis politiques... pan-arabistes, entre les islamistes aussi, ils ne disent pas, ils nuancent. Parce que les islamistes, ils se veulent, disons, intelligents, ils veulent d'abord prendre le pouvoir, et puis après, hein. Les peuples autochtones dans le monde entier sont privés de leurs terres, de leurs ressources, de leur identité. Donc la revendication essentielle des peuples autochtones, c'est d'avoir le droit d'exploiter leurs terres. C'est un combat international. Si on s'organise mieux, on peut arracher une vraie reconnaissance. C'est quand même sauvage, hein, c'est... Wow. Là, on est en forêt, là. Il y a plein de choses ici qui servent. Tout ça, là, les branches de sapin, là. Regarde, oui. ça, là, ça va servir au tapis pour isoler la tente. Ouais, pour isoler dans la tente. Ah, là. Puis en plus, c'est l'odeur, là. Ça, là, la mousse. La mousse, oui. Comme ça, là. À l'époque, là, avant les couches, là, oui. Pour les enfants, là, oui. C'est ça qu'ils mettaient. Ils laissaient sécher, et puis... Non, hein, c'est comme ça. Regarde, ça ici, là, regarde. C'est... Oui. Ça, là, tu vas chercher. Ah, oups, oui. Tu vois-tu? C'est de la résine de sapin pour soigner tout le système respiratoire. Là, ah, d'accord. Un truc comme ça, là, qui a l'air tout à fait inutile, là. Oui. Mais ça, là, oui. Tu prends ce morceau-là, OK? Oui. Puis, pour faire fumer le saumon. Parce que ça, c'est mouillé, oui. OK? Oui. Puis, ça brûle pas. Ça fait juste la fumée. Fumer. Ah, d'accord.
Quand je te dis on se sert de l'habitat, là, ouais. c'est ça qu'on fait. Tu prends qu'est-ce que la nature te donne. C'est notre héritage. Oui. C'est puissant quand même, hein? C'est très puissant. Même s'il y a le bruit des chutes, moi j'entends le silence. Le silence de ce coin, c'est vraiment impressionnant. Hein? C'est des cours d'eau qui sont souvent menacés. Oui. Parce que on n'a pas tous la même vision. Hein? Et c'est des choses qui sont calculées en mégawatts. C'est très attrayant, très convoité. Les cours d'eau comme celui-là, tu sais, c'est, il y en a qui le voient comme des, comme une façon de faire de l'argent. Et celle-là, c'est la suite Manitou, la suite du bon esprit. Bon esprit. Bon esprit. Je comprends. Hein. Oui, oui. Bah, ici, on peut se ressourcer, on peut être tranquille, on peut pêcher. On peut admirer. Admirer, oui. Je comprends, hein. Je comprends pourquoi il s'appelle Manitou. Oui, c'est bon pour l'esprit. Oui. En 1876, le gouvernement canadien promulgue l'Acte des sauvages. On y lit : ce sont des peuples inférieurs. Ils sont incapables de se gouverner et les autorités coloniales sont les mieux placées pour protéger leurs intérêts et leur bien-être. Les idées européennes de progrès et de développement sont de toute évidence correctes et peuvent être imposées aux Autochtones sans tenir compte de leurs valeurs, de leurs opinions ou même de leurs droits. Besoin d'être toujours gentil avec ceux qui jouent l'auto 649. Voyons donc. Quand Fortin a gagné le Golo puis il est parti dans le sud avec tout le monde du bureau, regarde, je m'entends pas bien avec lui, c'est ce que je te dis. Puis de toute façon, c'est plus de plus pour moi, regarde. Seul tranquille au bureau, meilleure place de stationnement. Non, c'est bien correct. Ça vous dérange pas? Non! Prochain tirage, 14 millions. Un très mauvais coup. Tu veux pas impressionner ta petite amie ou quoi? Tu veux être tout seul pour le restant de tes jours? Tu as le ventre vide, toi. Maman, t'as fait un petit plat. J'imagine que pour ce soir, on oublie le restant. Basta. Maman, tu vois pas qu'il est occupé. Maman, t'as fait un petit plat. Mécalinas. La génération qui jurait de ne jamais vieillir avait raison. Bienvenue à l'été de la vie. Et maintenant, il existe un traitement officiel de l'été de votre vie. Le nouveau Touche de Gris pour hommes seulement. Il vous permet de garder juste un peu de gris. Il agit graduellement, peigné et rincé. Méfiez-vous des gens de plus de 90 ans. Gardez juste un peu de gris avec le nouveau Touche de Gris. Mamma mia! Ça goûte mon pays, ça! C'est bon, hein, Baba? C'est la nouvelle gondola. Découvrez toute la saveur de l'Italie avec l'unique gondola. Une fine pâte moelleuse et ses garnitures cuites à la perfection. C'est bon, mais qu'est-ce que c'est? Gondola, papi. Capiche? Capiche? À compter de 8,99. Il devrait appeler ça gondola, capiche? Ah!
Salut, mon papa. Seulement chez Mike's. Capiche? Comme ça, tu viens de Calgary? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Papa, je suis un des propriétaires de WestJet. WestJet? J'ai déjà volé avec eux autres par affaire. Hey, des avions modernes, un siège en cuir, personnel sympathique. On fait attention à ça. Comme ça, t'es propriétaire, mon Marc. Ben, je vais te laisser la facture d'abord. Pourquoi on fait autant chez WestJet? C'est parce qu'on est aussi propriétaire de la compagnie. En plus de Montréal, WestJet descend maintenant à Québec avec des vols tous les jours. L'appareil est en difficulté et un appel à l'aide est lancé. Victimes, témoins et enquêteurs reconstituent ces catastrophes et nous font revivre ces accidents terrifiants dans Mayday, ce soir 22h à Canal D. Quand je te parlais de gestes millénaires, là, oui. Ça, c'en est un qui est très ancien. Il est toujours pratiqué. Oui. C'est une médecine. On va se soigner aussi. Là. Regarde, ça, c'est le premier qui m'appelle. Ah, d'accord. Tu vois, cette proche-là, pour nous autres, c'est vivant. Oui. On les appelle nos grands-pères. Ça incarne les ancêtres. Ah, très bien. Le mouchon. Oui. Le mouchon. Oui. Comment vous appelez sur votre île? Matachan. 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 D'accord. Ça soigne. Mm. Oui. C'est des prières aussi, accompagnées de prières. C'est des gestes qui sont aussi de médecine. Ah. On va se soigner. Médecine traditionnelle. Traditionnelle. C'est plutôt la médecine spirituelle. Spirituelle aussi et médecine pour le corps aussi. Ah, pour le corps aussi. Oui, oui. Je peux ramasser avec toi. Ah oui, ce serait bien. Oui. Je peux chercher celles qui ont une... Mais regarde, ils vont t'appeler. Ah, d'accord. Gros petit. Petite. Ah, d'accord. Ah, c'est lourd. Ça, c'est bon, là. Regarde mon frère. Ah, oui. Oui. Ça, c'est assez bon. Excellent. Bon. Je m'en rends là-bas. Il y a certaines personnes qui disent que le changement qui s'est passé ici, c'était un choc très violent. Ça s'est pas passé de façon graduelle, ça s'est passé très vite. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vivaient dans les territoires. Nous étions un peuple nomade qui n'avait pas besoin d'argent. On était autonome par notre façon de vivre. Je l'ai vécu, moi, j'ai été dans le bois de ma petite enfance. La génération de ma mère ne parlait pas français. Elle ne parlait pas français, elle était unilingue, nous. C'est tes parents aussi, puis ses parents aussi. C'est que c'est pas vieux, là, la coupure avec nos traditions là, ancestraux. Là. Ma mère a parlé innu. Elle ne connaissait pas la valeur de l'argent, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'argent dans le bois. On s'est éloigné de tous ces gestes-là, on s'est éloigné de toutes ces traditions, ces traditions-là. Puis là, tout ça revient. Tout ça revient. Puis ici, bon, ce qu'ils font ici dans le centre, c'est des choses qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir. On essaye de trouver le meilleur des personnes. Même s'ils vivent des grandes difficultés, on parlait d'alcoolisme, de violence, de toxicomanie, d'abus sexuels, d'inceste. Extrêmement, je pourrais dire, difficile, mais nous, qu'est-ce qui nous garde là-dedans? C'est comme Devina le disait, c'est on a une mission ici. Mon père qui est mort d'alcoolisme, il a tellement bu, ma mère aussi. Lorsqu'ils étaient dans le bois, c'était des personnes tout à fait différentes. Elles avaient un rôle, mon père avait un rôle, il se sentait important. C'était une autre personne. Les gens étaient en communion, les gens étaient bien en forêt.
saumon. C'est 20 livres. J'en tremble. Les gens, leur survie dépendait beaucoup du lien qu'ils avaient avec la nature. Et pour entrer en contact avec la nature, il faut avoir une ouverture. Quand j'étais jeune, notre maison était au bord de la rivière Berzémi. C'est une rivière à saumon. Puis mon grand-père, il pêchait en bas de ma maison, en avant. Fait que quand il pêchait leurs produits, c'était tout coupé. Les voisins, c'était tout distribué dans la journée. Dans la dimension traditionnelle de notre culture, un homme ou une famille ou un clan n'est pas considéré riche par rapport à ce qu'il a. Il est considéré riche par rapport à ce qu'il donne. Là, nous avons un bel objet, là, Tanas. Oui. C'est ce bol en cuivre qui est troué, là. Oui. Alors, cet objet est posé dans un récipient en terre cuite, plein d'eau, et le bol va se mettre à se remplir, comme vous pouvez constater. Oui, c'est pour mesurer le temps, là. Alors, c'est une unité de mesure de temps. Oui. Et quand l'objet a coulé une fois, on lui a donné une première tanas, une deuxième, une troisième. Quand on pose la dernière, c'est un autre qui se lève, ça va être bientôt son tour. Mm-hmm. Il va vers la direction où il doit dévier l'eau vers son champ. Mm-hmm. Il a droit à, par exemple, à 20 tanas. Mm-hmm. C'est le temps qui est le sien, qui est son droit. Son eau. Là. C'est le temps irrigué avec l'eau collective. Ah. Oui. La richesse d'un cultivateur se mesure au nombre de tanas qu'il possède. Comment il a pu avoir 20 tanas? Il a hérité ou il a acheté. Mais ça s'achète le temps comme ça? Oui, bien sûr. Okay. On peut l'acheter même si l'eau n'existe pas. Okay. Même si l'eau n'existe pas, on peut racheter des tanas. Tout en espérant avoir de l'eau après. C'est un vieux système. Oui. Est-ce qu'il est encore utilisé? Oui, il y a ceux qui utilisent toujours ça. Ah, oui? Mais puisqu'on a des montres maintenant, peut estimer le temps par une montre, hein, le nombre de minutes. C'est tout simplement une montre hydraulique. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin parce que les temps ont évolué. Mm-hmm. Oui, il y a des montres aujourd'hui. Mm-hmm. Mais autrefois, pour mesurer le temps, on se servait de cette horloge. Cette palme, elle servait aussi à quelque chose. C'est pour le contrôle. Mm-hmm. À chaque fois que le bol a coulé, on fait un nœud. On chasse aussi un peu les mouches, bien sûr. Mm-hmm. Hein, on le repose et la vie continue. Oui, c'est parce que c'est précieux, l'eau, là. Oui, absolument. Il faut bien le partager équitablement. C'est pour irriguer des petits lopins de terre, des petits lopins de rien du tout. C'est pour subsister. C'est pour continuer de vivre avec très peu d'eau. Autrefois, le musée il n'est pas le mien. Le musée, il est à vous, il est à tout le monde. C'est ma propre collection que j'expose ici. Vous avez payé beaucoup d'argent pour avoir ça. Tout à fait. J'ai vendu une jolie maison que j'avais à Agadir. Oui. J'ai pris un crédit auprès de la Banque Populaire. Et en ce moment, je suis vraiment très, très serré. La banque m'a appelé pour me dire il faut rembourser et je n'ai pas de quoi rembourser. C'est un grand investissement quand même. C'est un investissement. Ah, oui. Je pense avoir fait d'une pierre plusieurs coups. Oui. Parce que n'oublions pas qu'avant, il n'y avait absolument rien. Excellent, rien du tout. Ouais. Pas une brindille de quoi que ce soit. Mm-hmm. Tout ça est pour moi une toute petite, je dis bien une toute petite réponse à la grande question que se pose tout le monde, à savoir comment sauver l'environnement, mm-hmm. comment sauver l'eau, mm-hmm. comment sauver la nature. Mm-hmm. Et vous allez vous... Mais comment sauver l'histoire aussi? Et comment sauver le patrimoine, oui, justement. C'est ça, oui. Voilà oui. pourquoi oui. j'ai fait tout ça. C'est très belle jarre, elle sent juive. Là, on voit dessus le sceau de David, l'étoile à six branches, et aussi la main. Oui. C'est un porte-bonheur comme chez les musulmans. Ces énormes jarres servait à la conservation des dates. Oui, alors là, il y a des caftans, des burnous, des djellabas. Bah, si je pouvais avoir une petite aide de la part du ministère de la Culture ou du Tourisme, je ne sais pas moi, hein, pour tout ce que je fais, bah, je ferais encore plus que ça. Et pourquoi pas un musée du palmier, comme je vous ai dit, un musée juif également. Tout ce que vous avez vu, c'est moi qui l'ai financé grâce à ma maison que j'ai vendue à Agadir, grâce au crédit que j'ai pris auprès de la Banque Populaire et ce que me rapporte ma petite galerie. Merci beaucoup, monsieur. Bon courage. Merci. Thank you.
a deux palmiers. Il y a le mâle. Il ne donne pas les fruits. Les fruits. Non. Lui, il donne le pollen mâle. On prend le pollen mâle, on le met dans le fruit là-bas, et ça donne des belles dates, tu vois, là-bas. Et c'est pas encore mûr, hein. Lui, il possède 120, à peu près 120 palmiers, qui donnent assez de fruits pour toute l'année. 120. Mâle, femelle. Non, il suffit d'un seul mâle. Oui. Ah oui, c'est la polygamie là. Oui. Un autre veut tromper. Les gens veulent utiliser le même mâle. Vous ne manquez pas d'or. Pour le moment, il y a de l'eau. Mais il y a deux années, il n'y avait pas d'eau. C'est difficile. C'est parce que même s'il y a un barrage, il manque d'eau. Hein, parce que la vallée, elle est assez grande, tu vois. Mais c'est qui contrôle le barrage? C'est l'État, oui. C'est l'État qui a construit le barrage et puis qui partage l'eau. Hein. Oui. Il irrigue toute la vallée jusqu'à Merzouga. Tu vois? Oui. Donc il doit attendre son tour de rôle. Il doit attendre que l'eau vienne par les rigoles ici et puis irriguer son champ, tu vois? Attends, mon ami. Attends, regarde. Oui. Je vais le mettre ici. Allez, sème ta graine là. Regarde, en sémant la graine, c'est bien. Ah oui. Pour ta famille. Tu penseras à moi alors quand tu vas passer ici. Tu vas être gras comme le palmier. C'est ça. On veut le meilleur. Resto ouvre ses portes. C'était écœurant. Et au menu, une foule de personnages rafraîchissants, des gags savoureux. Et pour dessert, des grands papas dans le sirop. Le tout accompagné d'invités bien corsés. Oh la vache, il y en a pour tous les goûts, putain. Et vous allez voir, ça goûte vraiment drôle. Si jamais je meurs, autant vous le voir toute ma vie. Casse-croûte chez Albert, ce soir, 20h. Ça commence, hein. Au samedi de l'humour. Le Suzuki Grand Vitara 2008 à 4 roues motrices avec moteur V6, climatiseur et plus encore est présentement offert en location pour 0$ d'acompte et 329$ par mois. Vous croyez rêver? Essayez ce petit exercice. Voilà, nous disions donc, le Suzuki Grand Vitara 2008 à 4 roues motrices avec moteur V6, climatiseur et plus encore est présentement offert en location pour 0$ d'acompte et 329$ par mois. Tu ne l'avais pas prévu. Tout à coup, tes mouvements incontrôlés te mènent quelque part. Et maintenant, tu veux aller partout. Au lieu de ta couche de nourrisson, tu as besoin d'une couche qui t'aide à explorer. Voilà pourquoi il y a la gamme Pampers Stages, les Swaddlers, les Cruisers, les Easy Ups et les Feel and Learn. Nous avons prévu que tu allais changer et nous t'offrons l'aide dont tu as besoin quand tu en as besoin. Pampers Stages, inspiré par les bébés. Vous en avez assez de passer des heures et des heures à faire mariner les aliments pour leur donner toute la saveur désirée. Vous souhaitez arriver à la maison sans devoir vous imposer cette tâche. Maintenant, c'est possible. Fane Houseware vous propose le 9-Minute Marinator, un appareil compact et révolutionnaire qui permet de faire mariner les aliments. Vous n'avez qu'à mettre tous les ingrédients dans le contenant à cet effet, faire le vide et mettre l'appareil en marche. Celui-ci s'arrêtera automatiquement après 9 minutes et tous les aliments auront absorbé les saveurs comme s'ils avaient été marinés pendant des jours. Et chaque personne qui profitera de cette offre télé spéciale recevra un second 9-Minute Marinator gratuit. Et en plus, commandez maintenant, nous vous offrirons gratuitement un hachoir à lame. Vous obtenez le tout, incluant un deuxième système 9-Minute Marinator d'une valeur de $400 pour seulement deux paiements faciles de $29.99. N'attendez pas, cette offre est limitée. Appelez ou envoyez un mandat ou un chèque à l'adresse affichée à l'écran ou consultez le site fain.ca. Satisfaction garantie, appelez maintenant. Vos cheveux sont-ils en train de perdre la guerre contre les cassures? Essayez le nouveau Garnier Fruity Strength and Repair au micro-huile de fruits nourrissante. En une semaine seulement, il aide à renverser les signes de dommages. Le nouveau Garnier Fruity Strength and Repair. Personne ne rend vos cheveux aussi forts. Garnier, prends soin de toi. Bonjour, faites comme chez vous.
Pour que ma maison sente bon et soit toujours invitante, j'ai un secret Airwick Freshmatic Mini. Petit et efficace, il libère automatiquement de charmantes bouffées de fragrance. Quand je veux, où je veux, discrètement. Mais d'où vient cette odeur? C'est un secret. Airwick, on est bien à la maison. Les recharges Freshmatic Mini sont offertes dans ces fragrances fraîches et légères. Qu'est-ce que tu fais là, pas? Je regarde, c'est le temps de changer les pneus. Je prends 25 sous, puis je le mets dans une rainure comme ça. Fait que si le menton de la reine est... Non, si le front de la reine est caché, donc c'est le caribou. Conduisez en toute sécurité grâce aux nouveaux pneus toute saison General Evertrek HP. Leurs témoins d'usure vous indiquent quand c'est le temps de les changer ou de revoir l'alignement des roues. De plus, ils excellent sur chaussées mouillées. La conduite sécuritaire commence chez Canadian Tire. En tout cas, tu le prends, puis tu... On veut manger, là, les chauds. Oui, il faut travailler. Bien sûr. Chez nous, les femmes et les hommes, il faut en manger. Le pain, c'est beaucoup les femmes. Quand tu es en forêt, nomade, tu voyages, oui. Les hommes font le pain aussi. Ils sont bons, les hommes, oui. Faire à manger. Les chasseurs, Inuits, il faut qu'ils sachent tout faire. Et la femme aussi, elle peut faire l'animal, elle peut le... Tout à fait, tout, tout, ouais, à, oui, fait. Ah, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Les femmes les chassent aussi. Aussi. Il faut que tout le monde y bouge, tu sais. On est dans une situation de survie constante. S'il y en a un qui fait mal, tout le groupe va en ressentir. C'est ici qu'on a grandi, Yeshua. On a grandi sur le bord du fleuve de la rivière et aussi... Oui, les anciens campements étaient ici. Oui, mais tout le temps, on a vu un peu, Maliutenan, la plage, la mer. On était tout le temps dans l'eau, l'été. D'accord. Le sable, l'eau, des feux comme ça. Un bel environnement. Oui, bien pour, sûr. Pour grandir, pour, c'est pour voir des choses. Naturel, c'est la nature. Oui, oui. Okay. 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 C'est Louise. Yeshua, il va dans Louise. Oh, Yeshua. Yeshua, Yeshua. C'est Louise qui a fait le pain, la bannique sur le sable tout à l'heure. On l'a mis dans le feu. Dans le feu, là, on a mis la braise par-dessus. Ouais. Tu vas goûter tout à l'heure ensemble. On va manger, partager ensemble. Ah oui. Ah, oui. Mon ami Florent, au désert, on a beaucoup de temps. Hein. On n'est jamais pressé. Faut pas courir parce qu'on va avoir chaud. Hein? Non, maintenant, ça devient de plus en plus frais. Là, hein. Ouais, plus que le jour avance. Hein. Oui. Hein? Ça change de décor. Hein. Oui. Mais le nomadisme reste. Hein. Ah oui. Même avec des décors différents, il y a toujours des nomades. Maintenant, on réchauffe le sable? Oui. Oui. C'est comme chez nous, finalement. Ah oui, bien sûr. On a en commun déjà le pain. Hein. Oui. Comme ça, déjà, on se sent heureux, là. Oui, hein. Oui, oui. On se sent moins perdu, là. Voilà, oui. Hein? Il y a deux sortes de pain. On peut faire préparer un pain sans rien dedans. Mais ce pain, ils l'ont préparé avec des tomates, des oignons, de la graisse. On peut mettre dedans tout ça et puis le faire cuire ici. Comme on peut cuire seulement la pâte sans rien dedans. Tu vois? Donc selon ce qu'on a. Moi, elle commence à ajouter des braises, des alentours. Tu vois, comme ça brûle. Tu vas nous manger, je peux là. Bien. Ok, on a mis ça.
Vous croyez qu'il y a un retour vers ces traditions ancestrales? Oui. Moi, j'y crois. Nous, on a beaucoup perdu quand la religion catholique est rentrée dans la communauté. On a renié nos valeurs. On a renié nos propres valeurs, qui étaient les mêmes valeurs que les valeurs chrétiennes. Et on a dû se renier, dire que c'est pas bon. C'est la religion chrétienne qui est bon. Tout ce qui était en relation avec la terre ou la spiritualité inoue, tout a été interdit. Quelle est l'attitude de l'Église par rapport à tous ces problèmes-là? Quelle est l'attitude hostile, favorable, indifférente, indifférente? L'essentiel, c'est que vous soyez chrétien, c'est tout. Non, mais maintenant, la communauté catholique, sa position est de s'excuser. Ah, elle s'excuse. Oui. Bon, c'est bon. Voilà, on s'excuse. C'est vrai, c'est ça. Mais regarde, le mal est fait. Là. On est un peuple très, très obéissant, très pacifique. Et on a cru au curé. Et on a tout perdu. La religion présente une menace pour notre culture? Ah oui, absolument. On est toujours victime d'un certain impérialisme culturel. Un impérialisme culturel arabe, voyez-vous, dont le levier est la religion d'abord. C'est une véritable dictature. Oui, on s'habille comme des non-autochtones, mais en premier lieu, t'es un inou, tu sais. Sois fier de l'air. Partout ce que tu vas être, il faut que tu sois fier. Mais nous sommes aussi confrontés à ce problème-là. Mais on résiste à cette agression. On essaie toujours de garder, nous aussi, notre identité. Mais vous autres, vous êtes nombreux, ça de l'air. Oui. Nous sommes la majorité physiquement, mais nous sommes minorisés par la culture. C'est ça, c'est une sorte de pizza. Pizza du désert, oui. Pizza autochtone. Ouais. Ouais, c'est très chaud. C'est un peu chaud, hein. Voilà. C'est bon? C'est très bon. Ouais, merci, mon ami. De rien. C'est bon, ça. De rien. Mais chez nous, la seule chose qu'on fait, le même procédé. La seule chose qu'on rajoute, c'est des raisins. C'est pas le saumon qui manque chez vous. Alors faites le pain avec le saumon. Ce serait plus le pain avec le caribou, peut-être. Oui, avec le caribou aussi. Oui. Mais est-ce qu'ils font la chasse? C'est pas la source de la nourriture, parce que eux, ils sont des éleveurs. Puis il faut parler aussi d'une... Voilà, voilà. Justement, je voudrais parler de ce qu'il a avancé. Ces dernières années, on assiste à une razzia des émirs qui proviennent de l'Arabie Saoudite. Et puis ils viennent parce qu'ils ont ce plaisir de la chasse. Ils chassent tout. Hein? Donc les lièvres, les gazelles... tout ce qu'ils peuvent trouver dans le désert. Ils ont massacré le désert, les gens du Moyen-Orient. Ok. Voilà. Avec leur chasse sportive. Voilà, absolument. Ils ont leur gardien ici. Il est interdit de chasser le lièvre et la perdrix. Donc c'est réservé pour eux. Avec Miaman, tu as tout ce qu'on veut. Ici, on est sur la Mshteshipo. Mshteshipo, en Innu, c'est la grande rivière. C'est le trajet. Le trajet traditionnel. Traditionnel pour se rendre à l'intérieur des terres. D'accord. Okay? Ouais. C'est une partie de nous autres ici. Là, notre histoire, c'est cette rivière-là. Là, ouais. C'est une des plus grandes rivières à saumon. Ici, la pêche au saumon. Pour les Innus de la communauté, ça dure en juin seulement. Un seul mois. Un seul mois, puis quand on a mangé
trois, quatre fois du saumon dans cette période-là. On est très heureux. C'est une pêche communautaire. D'accord. Tu vois, comme ici, là, ça, c'est un filet de pêche. Puis c'est un filet qui est installé là pour la communauté. Puis, à partir d'ici, là, oui. OK, tu vois la limite? On ne peut pas aller pêcher plus haut que ça. Parce que d'accord. Ça, c'est un club de pêche privé. C'est là que les Américains ils viennent. Tu sais. C'est là que tous les grands sportifs de ce monde ils viennent s'amuser ici. Là. Ah. Ils se sont appropriés le territoire à nos dépens. Les problèmes sont arrivés avec leurs idées de plus privé. Tu sais, regarde ça, là, c'est pour nous autres, cette portion-là. Là. On veut pas que personne aille là. Là, ça, c'est pour nos riches. On origine d'hommes et de femmes libres. Oui. Tu vois? Là, mes parents, là, mes grands-parents, ils n'ont jamais demandé la permission à qui que ce soit. Là, tu sais? On a eu des sérieux problèmes par les années passées. Là, tu sais? Moi-même, j'étais en prison pour ça. Moi-même, j'ai été menacé avec un arme. Là, tu sais. Pour nous autres, ici, la rivière, là, c'est pas un privilège. Ah oui. C'est un droit. Oui, c'est un droit. Source de vie. Oui. Du moment qu'on ne peut pas avoir accès à une portion de la rivière, c'est une portion de notre histoire qui nous est arrachée. Si on m'enlève ça, là, moi, je deviens fou. On n'est ni dangereux pour le fleuve, ni pour le saumon, ni pour personne. Pas assez nombreux pour être dangereux. Ah. Pour qui que ce soit, puis pour quoi que ce soit. Ouais. Au milieu des années 70, le Maroc a nommé un ambassadeur en Irak. Cet ambassadeur était berbère, amazigh. Et il est allé voir l'oncle maternel de Saddam Hussein, qui est en même temps son beau-père, c'est-à-dire le père de sa femme. Cet homme lui dit, mais dis donc, qu'est-ce que vous attendez de liquider les berbères, les amazigh? Tuez-les. Voilà. Et ça s'explique très très bien. Vous savez très bien que Saddam Hussein a fait brûler par son aviation 180 000 Kurdes. L'ambassadeur a été assez intelligent. Il l'a fait inviter au Maroc, il a passé 2 mois. Et quand il est revenu là-bas, alors il lui a dit, qu'est-ce que vous pensez? Nous pouvons liquider les amazigh comme ça? On dit, non, ils sont trop nombreux. S'ils étaient un peu moins nombreux, on pourrait les tuer. C'est possible, oui. Et où? C'est terrible. On va aller chercher leur autorisation. C'est-tu ici pour l'autorisation? C'est parce qu'on voulait s'enregistrer. C'est correct? Le nombre de bateaux et les nombres de personnes. 8 personnes, 2 bateaux. Mais c'est-tu correct? Ouais, ça va être beau. Mais ça pêche-tu? Y a-tu des pêcheurs? Y a combien de bateaux de sortie? 6? 6 ou 7 bateaux de sortie déjà. Faut-tu payer pour ça? Oui, il faut payer. Je pense qu'ils payent 75 000 la part pour... Okay. Justement, le monsieur qui est ici, là, lui, il travaille pour le club. Okay. Il attend... C'est quoi ta table, quoi? J'attends un bateau. Un bateau de bois? Non, le bateau qui chauffe les provisions. Ah, OK, oui, c'est ça. Un bateau pour les provisions. Mais c'est ça. Nous autres, on voulait une autorisation, puis je pense qu'on l'a. Vous l'avez. Bon, on va en profiter. C'est le bon jeu, t'as joué. Ouais. T'as-tu vu le gars du club? Il s'est caché. Il s'est caché. Ah, oui. Mais oui, c'est ça. Il savait pas comment dealer avec les autres, carrément. Non. Carrément. Le gars du club, là, dans la voiture, il s'est caché. Ben oui. Les autres, vraiment, là, on est menaçants pour eux autres. Vraiment, vraiment, là. T'sais, c'est comme on est dangereux, là, t'sais. C'est dangereux, la vérité, hein? Chez nous, là, une population de 3 000 habitants, là,
la pêche communautaire, là, oui. 200 que les gens apprennent. 200. Pour une population pendant, de 3000. Pendant toute la période de, pendant, de pêche. Toute la période de pêche. En moyenne, par année. 200, c'est rien par rapport. Par année. Des pêcheurs sportifs en prennent 1000. Oui. Oh non. Et ici, nous, on a gardé ça. Ah ouais? Ça tirait à côté de nos pieds. Et on n'avait pas le droit à pêcher, il fallait payer. On a manifesté, on a mis des filets flottants. Il y a des versets, ils voulaient nous faire chavirer, on rentre dans nos canaux, embarquer dans nos canaux. Mais on n'avait pas d'armes, c'est à coup de rame. À coup de rame, nous avons à coup de rame, puis portez-vous. L'appareil est en difficulté et un appel à l'aide est lancé. Victimes, témoins et enquêteurs reconstituent ces catastrophes et nous font revivre ces accidents terrifiants dans Mayday, ce soir 22h à Canal D. L'événement Conduisez gagnant de Honda est présentement en cours. Et tous les véhicules sont gagnants. Ne versez aucun acompte et bénéficiez d'offres de location incroyables, comme l'accord maintes fois primé à seulement 338 $ par mois, ou l'Odyssée avec une cote de sécurité 5 étoiles à seulement 418 $ par mois, ou la voiture la plus vendue au Canada, la Civic DX à 198 $ par mois. Et obtenez un taux de financement à l'achat de 0,9% sur 36 mois sur certains modèles. Conduisez gagnant. Visitez votre concessionnaire Honda dès aujourd'hui. C'est beau? C'est vert. C'est vert. C'est beau. Pas moi, je m'en vais travailler. Fait qu'à son tour. Pour moi, les sucres, ça commence. Bye. Bye. Les sucres commencent. Le temps des sucres se poursuit chez Tim Hortons avec l'arrivée du nouveau biscuit sablé à l'érable ainsi que nos autres délices. C'est à ton tour de le scrillbec. Toujours frais. Toujours vrai. Découvrez la peau douce et veloutée qui se cache sous la surface avec le nouveau gel pour le corps Formule Exfoliante de Olay. Un ruban nettoyant avec de minuscules micro-perles et un extrait d'algues exfolie en douceur. Votre peau est douce et veloutée. Bien sûr, elle est construite pour économiser l'eau et l'énergie. Mais ce n'est pas ce qui en fait une Mustang. Avec des amortisseurs de choc robustes, ainsi qu'un tambour en acier inoxydable de qualité commerciale, la laveuse et la sécheuse Epic Z de Mustang sont conçues solidement pour durer. À qui le dites-vous? Corbeil paie la TPS et la TVQ plus 1% sur les modèles Energy Star de Maytag. Corbeil, le spécialiste de l'électroménager. Vous sentez que votre maison s'ennuie et qu'elle aimerait voir du pays? Eh bien, nous avons ce qu'il vous faut. Voyez des déménagements démesurés à Ça bouge en grand, lundi 20h à Canal D. Non, prenez une autre, elle va bien. Non, je vais te présenter, je vous montre. Ok. Ah. Ça, c'est pas un gros feu, là. Oui. C'est pas un feu, vraiment. C'est juste pour faire de la fumée, oui. Et c'est la chaleur de la fumée qui fait... Qui fait le travail. Qui fait le travail.
Mais ça, c'est un mode de cuisson pour garder la viande ou le poisson. C'est pour le conserver. Le conserver, c'est ça, je veux dire. Ouais. Mm-hmm. Quand tu te déplaces, puis tu as beaucoup de poissons, oui. Il faut les faire fumer ça pour les garder. Pour le garder dans le voyage. Ah, tu sais. Parce qu'un voyage, il n'y a pas de conservation, il n'y a pas de congélateur. Viens, hein. Viens, viens, viens. Oui, mais je suis toi. Tout est utile. Bien sûr. C'est le principe de prendre oui. À la nature. À la nature, ce qu'il donne. Oui. Rien ne se perd. Effectivement. Hein? Rien ne se crée. Oui. Paul Arthur, il dit qu'il se rappelle de tous les chants des anciens qu'il a entendus. C'est quelqu'un de très respecté dans toutes les communautés innues, là. Il fait partie des sages. C'est l'instrument qui a un pouvoir de guide. Oui. Parce que le chanteur va, à travers son chant, à travers le tewegen, c'est un tewegen, va avoir des visions qui vont lui indiquer une direction. Voilà. Puis il dit, quand quelqu'un prend sa main, oui. Il va le sentir. Toute cette capacité là, tu sais. De son intérieur. Il te fait ses saluts. Merci. C'est ça avec un chant. Je te remercie. Il te fait ses saluts, là. Merci. Ouais. Merci. La poésie joue un rôle dans la société. Chez beaucoup de peuples, ils ont des prophètes. Chez les Berbères, leurs prophètes, ce sont des poètes. La poésie berbère a gardé le charme de l'Antiquité. C'est un peu lorsqu'on chante la Bible ou bien les versets coraniques. Et il y a cette atmosphère spirituelle. Oui, je peux. S'il vous plaît. أمن وطن غسما توسم تنزو ما نمغوا تنظيم التمر يحران والسان المتار الزبتا يتيان غفوك اليدي تم غدا يما أنا صودك سيلت شيناد الشون الترويسا Dear Ruizan, do suffer long.
Le rôle que vous jouez pour transmettre la poésie à des plus jeunes, c'est, pour nous, c'est le rôle des aînés qui transmettent à travers les légendes. C'est à travers les légendes que ça se passe. On est sans écriture. On est de tradition orale. Donc, c'est quand même une grande force pour les Autochtones d'ici d'avoir l'écriture. Et de pouvoir la transmettre. Pour vous, la colonisation est récente. Nous, au Maroc, on a eu affaire aux Vandales, aux Romains, aux Phéniciens, aux Visigoths, aux Ostrogoths, aux Arabes ensuite, puis aux Français, finalement. Aux Espagnols et aux Portugais, bien sûr, j'avais oublié. Vous avez beaucoup d'expérience. Exactement. Vous êtes des colonisateurs, oui. Ce qui fait notre force, je crois, c'est ça. C'est justement le fait de résister pendant plusieurs millénaires à toutes les occupations. Sur le terrain maintenant, ce qui est avantageux, si vous voulez, c'est que maintenant le berbère il est enseigné dans les écoles et ça monte tout doucement, mais il y a toujours ce problème qui est bien sûr la formation des formateurs et aussi au niveau du programme. Quand la langue innu est enseignée aux jeunes enfants, les enfants sont fiers d'apprendre des choses et on dirait que ça les motive à persévérer au niveau de l'apprentissage. Est-ce que c'est pareil chez vous? Je vous rends la question, existe-t-il un pays où les gens autochtones ils n'aiment pas revoir leur langue apparaître en écriture et en parler, que ce soit quelque chose pour vraiment pouvoir s'exprimer au vrai sens du terme. Mm-hmm. Parce que quand je m'exprime avec une langue qui n'est pas la mienne, j'en suis sûr et certain, même si je transmets littérairement, si vous voulez, oui. C'est pas une transmission qui part du cœur et de l'esprit, voilà, tout qui est combiné. Voilà. Et nos enfants, nos élèves, ils sont très, très, très contents de leur langue. La preuve, c'est la majorité, ils font un petit tatouage, c'est le Z berbère que tout le monde il porte sur le collier. Il fait un petit tatouage sur la main, quelque chose. C'est une grande fierté pour les élèves. Ici, nous sommes au siège de l'Institut Royal de la Culture Amazigh. C'est vraiment un grand institut. Hein. Dans chaque centre, il y a plus d'une dizaine de chercheurs. Des gens qui travaillent pour la langue amazigh, des recherches en langue amazigh. Tous les enfants marocains vont apprendre la langue amazigh dès l'école primaire, dès la première année de l'école primaire, jusqu'à la fin de leur scolarité, c'est-à-dire jusqu'au lycée. C'est devenu obligatoire au même titre que l'arabe et le français. Alors là, on commence à réaliser les rêves qu'on avait depuis longtemps. C'est quand même surprenant comme amélioration à partir de l'interdit, puis maintenant le rendre obligatoire au niveau national. C'est quand même une revendication du mouvement amazigh. La langue amazigh et la culture amazigh, c'est pas une spécificité d'une région chez nous. C'est que c'est parlé dans tout le Maroc. Ouais. Maintenant, il y a eu des régions qui ont été arabisées plus vite que d'autres, mais c'est tout le Maroc qui est concerné. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est la première fois au Maroc qu'il y a une langue vivante, maternelle, qui est enseignée. Parce qu'à l'école, vous avez la langue arabe classique qui n'est pas parlée, vous avez la langue française qui n'est pas la langue maternelle non plus, la langue espagnole, la langue anglaise. La seule langue aujourd'hui qui est la langue maternelle du pays, c'est la langue amazigh. C'est la première fois qu'on a affaire à ça. Un tout nouveau resto ouvre ses portes. C'était écœurant. Et au menu, une foule de personnages rafraîchissants, des gags savoureux. Et pour dessert, des grands papas dans le sirop. Le tout accompagné d'invités bien corsés. Oh la vache, il y en a pour tous les goûts, putain.
Et vous allez voir, ça goûte vraiment drôle. Si jamais je meurs, autant vous le voir toute ma vie. Casse-croûte chez Albert, ce soir, 20h. Ça commence, hein, au samedi de l'humour. Voici le Bacon Stacker de Burger King. Un empilage de bœuf, de fromage fondu et de bacon. Burger King. Le printemps pointe enfin à l'horizon et une fois de plus, les champs de designers font leur apparition. Winners est déjà sur les lieux pour cueillir le dernier cri de la saison. Les vêtements, chaussures et accessoires de grandes marques qui fleurissent ici. Chaque article est soumis à une minutieuse inspection. L'abondance de la récolte dans les champs de designers ne cesse d'impressionner les experts en mode qui envoient les articles dès qu'ils sont cueillis à l'aide de leur système de livraison breveté. Des arrivages quotidiens de nouveaux articles jusqu'à 60% moins cher. Winners, on gagne à y aller souvent. Est-ce qu'il y a une hypothèque pour les gens qui aiment épargner? C'est ce que tout le monde aimerait. Mais est-ce possible avec les autres hypothèques? Pas vraiment. C'est pourquoi ING Direct a créé l'antipothèque. L'hypothèque pour les gens qui aiment épargner. Tout dans l'antipothèque a été conçu pour vous aider à épargner. Vous payez le moins d'intérêt possible parce que vous obtenez toujours notre taux le plus bas, sans avoir à marchander. Les options de remboursement flexibles vous permettent de vous libérer plus rapidement. Vous pouvez ajouter à votre paiement régulier en tout temps. Si vous avez de l'argent en surplus, faites un paiement supplémentaire. Juste 20$ par semaine peut vraiment vous faire économiser et réduire la durée de votre hypothèque. Vous aimez épargner? Téléphonez ou visitez antipothèque.ca. On vous montrera comme il est facile d'obtenir l'antipothèque. Et une fois votre demande en ligne complétée, on vous accompagnera à chacune des étapes suivantes. Téléphonez ou allez en ligne. C'est votre intérêt qui compte. Que vous puissiez une consignée au travail, à la maison, dans vos loisirs ou vos déplacements, Recycle Québec vous rappelle que rapporter et recycler, c'est tout naturel. Son goût délicieux, Activia est le seul yogourt à contenir la culture probiotique BL Regularis unique à Danone. Découvrez ce qui rend Activia si unique sur activia.ca. Et essayez le nouveau Activia avec source de fibres, un pur délice. C'est là où notre ami habite. Tamlelt. Tamlelt. Le village s'appelle Tamlelt. La Gazelle. La Gazelle. C'est la Gazelle. Ouais. Ouais, c'est on ça, est dans le village de la Gazelle. C'est ah, ça. Tu es musicien. Mm-hmm. Tu es peintre aussi. Oui. Oui. Puis en plus, tu fais de la caricature. Il est aussi enseignant. Tu es aussi enseignant. Enseignant des arts plastiques. Des arts, oui. Ah, ouais. Okay. Toujours, je travaille à travers mon plaisir. Instinctivement. Instinctivement, voilà. Oui. Et c'est les amis qui ont découvert au début ces cassettes, ces compositions. Ils m'ont encouragé. Ta première cassette était vraiment un succès. Hein. Mais tu racontes quoi dans ta poésie? C'est quoi qui t'inspire? Je trouve qu'il y a toujours la présence de l'enfance, de la nostalgie d'enfance. Il y a des choses qui ne me plaisent pas dans l'histoire, surtout en ce qui concerne l'histoire de l'Afrique du Nord. Mmh. Alors j'ai commencé à parler de l'identité, de la langue amazigh, de la culture, mais ça dans un contexte humain. Mmh. J'essaie toujours de défendre le pauvre. Et donc c'est un artiste qu'on appelle engagé. Je gaspille beaucoup d'argent pour faire un album,
Et je vends jamais. Il n'y a pas de producteur spécialisé dans le sud-est. Par exemple, en Sousse, en Rif, en Moyen Atlas, pour les Imazirs, il y a les producteurs qui te donnent de l'argent, tu vends. Mm-hmm. Mais une sorte de chanson, la chanson engagée, on ne la veut pas. La chanson qui dérange, ouais. Là, voilà. Dans ce cas, qui achète les CD de Mlel? Les étudiants. Les étudiants, oui. Les gens des associations Imazirs, les gens cultivés, mm-hmm. on peut dire. Bien sûr, ce n'est pas toujours les Imazirs, il y a aussi les Européens, il y a les Arabes aussi qui achètent. Mais comment on sait la distribution, le problème, tu ne peux pas trouver mon CD, par exemple, dans les boutiques. C'est la même chose pour un recueil de poésie que j'ai fait sortir aussi. Mm-hmm. Voilà. Je trouve que les étrangers, ce sont eux qui nous ouvrent la voie, plus que les gens du Maroc. Comment on peut devenir connu à travers la chanson Imazir? Comment? Ben, c'est un problème. Alors c'est pour cela que j'ai créé une société de production et aussi j'ai créé un mini-studio pour aider les jeunes. Alors j'ai commencé, on a enregistré à plus de 5 chanteurs maintenant. Mm-hmm. Et dans l'avenir, il y aurait beaucoup de chanteurs à travers cet encouragement. C'est un début. C'est un début, voilà. Je vis de la musique, moi. Ça, c'est mon métier. Oui. Je travaille beaucoup avec les jeunes ici. C'est du monde qui m'inspire beaucoup. Eh, vous en avez? Venez. Yes, show. Mais regarde, quand vous êtes dit, on est dans des Kim. Pour faire danser, non? Ils font ça. Là, les gens, ils sont heureux, là. Ouais. Tu vois, ça va bien là. Ouais, ouais. Puis les gens ils dansent, puis c'est des rassembleurs, tu vois. Ouais. Ils sont importants pour le groupe. Là. La musique, on va en vivre ou on va en mourir. Mm-hmm. Que je raconte. Tu arrives correctement à vivre avec ce que tu enregistres, etc. Oui, je n'ai pas à me plaindre trop. Très bien. Je n'ai pas trop à me plaindre. Mm-hmm. Pour au niveau de la reconnaissance de ce que je fais, facilement. C'est ça. Kéro, c'est une affaire avec qui? Ça, j'aime ça. C'est le genre de musique que je fais. Ah, c'est bien. Puis là, j'appelle la lumière. J'ai Naza qui... Il s'appelle Igarminou, c'est mon village. Les gens ici, ils quittent leur village pour le travail, ouais. Parce qu'il n'y a rien à faire ici. Ce qui est bon, c'est la nature, c'est le calme. Mm-hmm. Mais pour travailler, il faut quitter le village. Alors, j'ai pris toujours cette nostalgie comme un symbole de notre culture, de notre langue. Ouais. Je vais, moi, chanter une chanson, OK? Okay. Ça traite aussi de la nostalgie. Ah bon? Absolument. Mmh. De la nostalgie de frères que tu n'as pas vu depuis longtemps. Je dis dans la chanson, ça fait tellement longtemps que je ne m'en rappelle plus. Mmh. Ça fait longtemps, ça. Ouais. Mmh. Trop longtemps. Mmh. Oui. Ici, on fait une offrande. Ouais. Le tabac, c'est quelque chose qui est précieux.
Puis dans le rituel, je souhaite l'âge ici, là. C'est une offrande qu'on fait pour la terre, c'est une offrande qu'on fait pour nos frères, nos sœurs, pour le bien de la communauté, pour le bien de ceux qu'on reçoit, de ceux qui vont partir. On fait une prière pour l'humanité. C'est ça qu'on fait. Moi, quand je suis en voyage, que je rencontre des fois, puis qui me reconnaissent, qui reconnaissent ma musique, c'est des gens qui m'encouragent beaucoup. Puis après les spectacles, quand je descends de scène, ouais, je rencontre des gens, puis je les connais pas. Hein. Ils viennent, ils ont du tabac dans la main, ouais, ouais, ils me serrent la main, Et ils m'offrent le tabac, puis tu sais, ouais, allez, continue, c'est bien. C'est ouais, bien. Ouais. Puis ils m'invitent à faire des médecins comme ça, à leur façon, dans d'autres communautés. Mais ouais, partout en Amérique, où est-ce qu'il y a des Indiens, c'est que c'est un rituel qui se fait encore beaucoup aujourd'hui. Pour passer à travers les difficultés, pour nous, c'est un repas, tu vois. Ça, c'est un rythme ancien ou... Non, un rythme ancien, regarde. La rythmique, elle est très simple, tu vois. Ça fait... Est-ce que tu peux me faire ce rythme? Oui. Je te chante une chanson à moi, qui est traditionnelle aussi, que j'ai pris à travers les chants de femmes. Comme ça? Ouais. Très bien. Merci au soir. C'était un grand plaisir. Merci à toi. Je suis très content. L'appareil est en difficulté et un appel à l'aide est lancé. Victimes, témoins et enquêteurs reconstituent ces catastrophes et nous font revivre ces accidents terrifiants dans Mayday. Ce soir, 22h, à Canal D. Étude de l'indice de satisfaction Ford. Comparons le Escape à un véhicule d'une autre marque populaire. Observons de plus près l'état d'esprit de notre sujet. Notez l'absence quasi totale de soucis, fruit du confort et des équipements de sécurité exclusifs au Escape. Vous recherchez la tranquillité d'esprit? Prenez place à bord du Ford Escape pour seulement $279 par mois. Participez à cette grande étude chez votre concessionnaire Ford. Lactantia Vitalité, une source élevée de fibres. Quel est le point commun à tous les savons, à part leur action nettoyante? Des ingrédients qui peuvent laisser votre peau rugueuse et sèche. Voilà pourquoi un pain Dove n'est pas un savon.
Il contient un quart de lotion hydratante enrichie des agents nettoyants les plus doux de Dove pour que votre peau conserve plus longtemps son hydratation jour après jour. L'hydratation quotidienne, c'est le secret d'une belle peau. Et qui connaît mieux l'hydratation que Dove? Bien sûr, elle est construite pour économiser l'eau et l'énergie. Mais ce n'est pas ce qui en fait une Maytag. Avec des amortisseurs de choc robustes, ainsi qu'un tambour en acier inoxydable de qualité commerciale, la laveuse et la sécheuse Epic Z de Maytag sont conçues solidement pour durer. À qui le dites-vous? Mai est le mois de Maytag, notre événement le plus important de l'année. Rendez-vous vite en magasin et économisez jusqu'à 600 $ en remise postale. Puis, comment ça va le défi? Super. Le bilan est positif. Bon, ben, assez jasé, les gars. On se met au travail. Un bol de céréales All Brand Buds. Un tiers de tasse par jour fournit 48% de vos besoins quotidiens en fibres. C'est ce qu'on appelle une teneur très élevée en fibres. 48%? 2%. Relevez le défi 2 semaines All Brand et faites des fibres vos amis. Et si les intérêts montent ou baissent? Et si les enfants veulent aller à l'université? Votre plan peut couvrir tout ça. Et si on voulait rénover la cuisine? Vous en auriez aussi les moyens. OK, des nouvelles armoires. Oui, puis garde-manger. Et peut-être un îlot. On n'est pas très îlot. Non, pas vraiment, non. Pas d'îlot. Ayez le dessus sur votre financement hypothécaire avec un plan préparé par un conseiller de la Banque Scotia. Vous êtes plus riche que vous le croyez. Banque Scotia. C'est jamais, jamais le même, Metachan. Mais c'est au niveau de comment tu te sens, toi, en faisant le Metachan. On évolue dans la vie et tout ça, on découvre des choses, alors c'est jamais pareil. On va mettre la toile tout à l'heure. Mais d'abord, on va travailler le sol. Et voilà. Merci. C'est là. Regarde. Ouais. C'est plein d'eau, ça. Plein d'eau, oui. Il y a de l'eau. Ouais. Tout à l'heure, il va faire chaud ici. On va respirer, ça. Oui. L'approche est différente d'une communauté venant de l'Ouest et ici. Il y a des groupes, des fois, de 20-30 personnes qui se rassemblent et font des Metachan, des séances toute la journée, la nuit, souvent. Ce qui est bien, c'est que c'est un rituel qui se pratique couramment. Pour se regrouper, fraterniser. Oui. Ça, c'est mon ami Ernest Dominique, ouais. Le peintre Inou, okay? Ouais. Qui est un grand ami à moi, quelqu'un que je respecte beaucoup, c'est un grand artiste, un grand artiste, tu vois? Puis, dans ce tableau-là, oui. Il m'expliquait qu'il voulait représenter la transition entre les tipis et les maisons dans les réserves. Il se souvenait, lui, quand il était enfant, quand ses grands-parents ont rentré dans une maison en bois, une situation qui a été imposée. Puis, il me dit, après quelque temps, le papier peint des maisons s'est décollé. Puis, le grand-père, il a regardé le papier peint avec la grand-mère qui décolle. Puis, il savait pas quoi faire. Il était dépassé. Puis, il me dit, ma grand-mère, quand la tente se déchire, pas de problème. C'est très vite, c'est réglé. C'est tu vois?
Mais le papier peint dans une habitation qui n'est pas la, à eux, ils ont été dépassés. Bien sûr. Ça exprime bien la difficulté de transition et d'adaptation que nos grands-parents ont vécu, puis que nous, on a hérité. Mm. On a hérité de cette difficulté-là, là, tu sais. Regarde, je pourrais t'en parler, mais on va aller le voir, tiens. D'accord, oui. On va aller voir, mon ami. Oui, très bien. Mais il parle de la terre, qui est celui qu'on a, de l'ocre. L'ocre rouge. On retrouve de cet ocre rouge à Terre-Neuve, et puis ils s'en mettaient sur le visage, et puis les premiers arrivants les ont appelés les peaux rouges. Ah, c'est ça. C'est là que vient le terme peau rouge. Oui. Donc vous essayez d'utiliser maintenant cette substance naturelle pour dessiner vos œuvres. Je fais des expérimentations sur la peau de caribou. Le caribou a un sens particulier pour nous. Justement, je t'ai donné. Oui, on peut aller voir. Je peux vous en montrer un ici. Ici, c'est un prototype. Ce qu'on voit dans cette scène, c'est Champlain. Champlain qui accueille trois chefs algonquins. Il y a entre autres des Malécites, des Innus et puis des Etchemins. Ils s'en vont à l'encontre de Champlain. Puis Champlain est avec lui deux guides. Un qui est en train de chanter, et puis l'autre qui fait la traduction. Puis on parle à peu près 2000 familles autour qui viennent à l'encontre de Champlain. J'aimerais beaucoup voir de ton œuvre. C'est très intéressant. D'accord. Oui, j'aimerais voir le... Oui, je te montre un livre. Voilà, je veux te montrer ici des exemples de ce que moi je fais en peinture. Ça peut ressembler comme des pictogrammes. Hein? Oui, des pictogrammes. Oui. Mais c'est toujours une écriture rassemblée pour donner une forme comme ça. C'est plutôt des calligraphies, tu vois. Okay, mais il y a aussi des peintures, mais toujours abstraites. Hein. Mais ça, c'est des formes traditionnelles de chez vous ou... Non, l'écriture, elle est traditionnelle. Mm-hmm. L'écriture. C'est notre écriture. Il est gravé sur toutes les roches du Sahara, désert. C'est une écriture ancestrale. Mais la forme, c'est une création. Je la crée. C'est une nouvelle chose. Lui, c'est mon ami Ziani, le peintre ici qui vit à Tienrer au sud du Maroc. Il vit de son art. Il ne fait que ça. Il a commencé par peindre un personnage qu'il a appelé Yidir. C'est lui Yidir avec ses chaussures là, avec tout son attirail. Comme il l'a imaginé, comme il existe. Hein. Son attirail de berger là. Oui, le berger, c'est lui. En trouvant un crâne, c'est pour lui, il se demande c'est quoi la vie, c'est quoi la mort. Être ou ne pas être. C'est ça, oui. C'est ça qu'il fait là. On parlait de cette toile là. Donc ici, il a changé complètement de sujet. Oui. Il cherche un autre monde. Oui. Mieux que celui-là. Mieux que celui-là. Celui-là, il est déchiré, il est. Il cherche un autre monde. Qu'il lui donne dans notre vie. Etc. Tu vois que son crâne, là, il est en train de s'éclater en pensant à changer la vie, à trouver des solutions, etc. Là, c'est un cri. C'est un grand cri. C'est un cri très, très fort et il appelle ça le cri des Imazirnes. Des Imazirnes et des Berbères. À force de ne pas être entendu, là il va crier jusqu'à s'éclater, quoi. Hein? C'est ça qu'il explique. Celui-là, je le connais. Laurent, bon, c'est une de nos inspirations ici. Ouais. Une des personnes qui ont réussi. Et puis, c'est ce qui manque dans les communautés, c'est des exemples de réussite de personnes qui ont. Et puis bon, j'ai voulu rendre hommage à Flora et j'ai fait son portrait avec les couleurs Montréal. Mais je savais pas que je pouvais être beau. Ah oui, aussi beau. Hein? Grâce à Ernest, là, regarde. T'as rendu plus beau. Hein? Il m'aide beaucoup, là. Ouais, oui. Le talent que j'ai eu de la peinture, le don que j'ai eu, là, m'a donné à me procurer un peu plus de confiance puis d'aller un peu plus loin puis de m'affirmer moi-même.
graduellement, bon, j'y vois plus loin parce que c'est une recherche identitaire aussi, quelque part. Parce qu'en remontant l'histoire, je sais d'où viennent mes racines. Donc, ça devient plus riche, je me sens plus fort et plus en confiance. Quand j'étais jeune, personnellement, je vivais de l'infériorité par rapport à la race blanche, aux Québécois, qu'ils étaient plus riches que moi. Puis moi, ce que je voyais autour de moi, vivant dans les communautés isolées où il y avait de l'alcoolisme, c'était difficile. Donc, tu peux pas t'affirmer puis grandir dans un milieu malsain. À un moment donné, il y a l'exclusion. L'exclusion, c'est quelque chose qui est très dommageable pour une communauté, pour les jeunes, pour les futurs. Parce que, à un moment donné, les jeunes, ils se voient comme... ils sont présentés. C'est ça. Tu vois, comme ils sont présentés, donc, quand il y a des crises au niveau autochtone, c'est ça qu'on voit à la télévision. Ouais. C'est strictement ça. Quand les belles choses arrivent chez nous, jamais on va entendre parler de ça. Les Innus, c'était un des peuples les plus pacifiques. Ah, oui, absolument, absolument. Ils ont tout donné aux gens qui ont accueilli tout le monde. Mm-hmm. Pas juste les Autochtones, aussi les non-Autochtones aussi. Il y en a qui, s'ils connaissaient vraiment l'histoire, ça serait... peut-être qu'ils penseraient différemment. Parce que là, la seule chose qu'ils voient, c'est bon, OK, ils ne payent pas de taxes, c'est ça. Mais ils ne savent pas comment ça fonctionne vraiment. Puis ils ne savent pas pourquoi ça en est venu là aujourd'hui. Ils ne la connaissent pas, l'histoire. C'est comme s'ils ne savaient pas qu'il y avait d'Autochtones ici avant. Ils ne sont pas au courant. Ils ne leur apprennent pas à l'école. Tu sais, si on ne te dit pas qu'il y avait un Autochtone avant, voilà 350 ans, depuis des millénaires, comment tu peux le savoir? Dans toute l'histoire, on a le rôle du méchant. C'était ça, c'était nous, ça, les sauvages. Donc, ils ont gardé cette idée. Oui, absolument, mais c'est enseigné dans l'histoire. C'est même enseigné. C'est enseigné dans les écoles. On a appris dans l'histoire du Canada qu'on était les méchants. On a tous brûlé les saints martyrs canadiens, là, avec toutes les haches toutes rouges ici. On leur a fait un collier. Moi, je m'en souviens, quand c'était l'histoire du Canada, j'étais la seule autochtone dans la classe. Puis là, j'étais gênée, moi, d'être autochtone. Là. Puis on m'identifiait comme c'était moi, c'était mes parents qui avaient... Massacré, il avait tué, puis c'était comme ça. Donc si tu chantais en français, tu aurais plus de chances de passer du Canada. Regarde, il y a trois catégories. C'est francophone, anglophone ou étranger. D'accord. OK? Ouais. Moi, je fais partie d'aucune catégorie. Là. Je ne suis pas francophone, je ne suis pas anglophone, puis je ne suis pas étranger. Ils savent pas où me mettre. Mais quand même, je pense que la musique, c'est fort. C'est très fort, la musique. Ouais. Ça va au-delà de toutes ces frontières-là, ces barrières-là. Mm-hmm. On peut aller au-delà de ça. Je pense que la peinture, c'est aussi la même chose. Là, on peut réussir, mais il faut y croire. Mm-hmm. Puis toi, je voulais te dire, là, avec ta voix comme artiste, tu peux passer un message. C'est puissant, mm-hmm. le don que tu as. Ouais, plus que le ben plus oui, que l'étoile, bien sûr. C'est ça, tu sais. Ah, oui. Ah ouais. Ben oui, sûrement. Ah ouais. Si je me fais pas boycotter, je vais le faire. Je vais pas me mettre plus de pression. Déjà chanter en langue innu, c'est déjà un message assez consistant ici au Canada. C'est assez clair. Bien sûr. Juste, c'est une façon d'exister. Ouais. Voilà. Parler sa langue, chanter sa langue, c'est déjà résister. C'est un acte assez fort, c'est courageux. Oui, quoi. Oui. Dans mon esprit, je me dis, au moins ils vont savoir qu'on est là. Oui. On va dire une chose maintenant. Pour faire un calendrier. 12 très belles filles, c'est sûr que c'est vendeur. Et à Québec, ils n'ont pas peur de la controverse. La réalité, c'est que la femme objet, c'est clair que ça marche pas. Je dis tout simplement, je pense que moi, j'aime ça. Suivez les canantes d'un concours de beauté. C'est toujours flatteur d'être choisi. À travers cette expérience, j'ai fait ce que j'avais à faire. Des fois, je me dis, pourquoi les filles font ça? Découvrez-le en regardant Ma voisine est une pin-up, dimanche 21h, à Canal D.
Tu m'avais dit que tu lui avais parlé. Tu continues comme ça. Il restera plus rien pour nous autres. À partir de $199 par mois, la Jetta City, moins cher qu'elle en a l'air. Je m'appelle Judith, j'ai une prothèse dentaire, j'utilise Polygrip. Je suis professeure, j'adore ça enseigner. Avant Polygrip, je me sentais souvent mal à l'aise devant les étudiants parce que j'avais peur que ma prothèse se déplace. Un peu plus, il fallait que je la retienne avec ma langue. Puis en plus, bien, je pouvais pas sourire autant que je voulais. Oh, maintenant, avec Polygrip, je me sens vraiment à l'aise. Je peux sourire sans crainte, je peux manger tout ce que je veux. J'appelle ça, moi, jouir des petits bonheurs de la vie. Avec Polygrip, j'ai retrouvé toute ma confiance. Elle a cru pouvoir le piéger. Il y a un tas de filles hyper sexy. C'est un stratagème. Mais maintenant, bienvenue au bercail. Elle tombe d'eau. Ce qui se passe à Vegas. Présentement à l'affiche. Petits pots de crème. Quand t'as des petits pots de crèmerati, j'aimais des petits pots de crèmerie. Quand tous les petits pots de crème auront crémé la peau, de la crème de petites filles. Ma maman me dit tout le temps ça quand on essaie ces nouveaux produits. Il s'appelle Canu, Secret, Leblanc. Et sont plus de 1600 fournisseurs du programme Achat Québec de Walmart à stimuler l'économie d'ici. La promesse Scores. Toujours plus chez Scores. Plus de goût, plus de choix, plus de saveur. Découvrez nos deux nouvelles saveurs de rôtisserie. Poulet, miel et citron avec sauce barbecue et herbes de Provence. Ou 5 poivres et érables avec sauce barbecue à l'ail rôti et sirop d'érable. Seulement pour un temps limité. Et parce que notre délicieux bar à soupe et salade est gratuit avec les repas de rôtisserie, c'est toujours plus chez Scores. Le nouveau gel de rasage extrême confort de Nivea For Men. Il prévient l'irritation même durant le rasage. Le résultat? Le confort et la douceur à fleur de peau. Le nouveau gel de rasage et son baume après rasage extrême confort. Nivea For Men, ce que les hommes veulent. Avec une douceur qui dure toute la journée, vous n'aurez plus besoin d'attacher vos cheveux en queue de cheval. Notre secret commence par le cuir chevelu. Voici la nouvelle gamme de revitalisants Head & Shoulders qui contrôle les pellicules. Des cheveux magnifiques commencent par le cuir chevelu. Vous sentez que votre maison s'ennuie et qu'elle aimerait voir du pays? Eh bien, nous avons ce qu'il vous faut. Voyez des déménagements démesurés. Ah, ça bouge en grand. Lundi 20h à Canal D. Ça y a chaud là, ça c'est calme. Ça c'est bon pour toi. C'est bon pour toi. Ok. Si tu prends là-bas du riz, puis tu vas là-bas la tente, puis il y a du saumon là-bas. Ils veulent faire un festin avec toi. D'accord. Et bon, il y a chaud. Mange. Oui, Nero. Déjà. Non, oui. Oui, non, moi. Il est-tu bon, le pain? Il est chaud. Ah, oui. Mais il est drôle, d'avoir un peu. C'est chaud. On a été dans le territoire de chasse de Roméo. Oui. Avec la famille, là, on a été chasser le caribou pour faire des provisions. Ah, d'accord. Alors, on mange le caribou maintenant qu'on a chassé. Ah, d'accord. Mais moi, André, moi, je suis dans le monde. On va aller faire un petit voyage de canot. T'es d'accord? Attention à toi. Ouais, d'accord. Attention à toi. Allez, Fouad. Viens. Ouais, c'est pratique.
Tout doucement. C'est bon comme ça? C'est très bon comme ça. Un canot comme ça, là, tu n'entends pas de bruit. Ah, ça prend de la force, hein? Ouais. C'est silencieux, tu sais. Tu peux approcher les animaux. Oui. Tu vois, les... tu peux approcher les gibiers comme ça. C'est très silencieux, tu vois. Oui. Ah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Découvrir de petites choses comme ça. Ah, ça, c'est des grandes choses pour moi. Ah, ok, c'est okay. Pas des petites choses. Attention. Span here and up. Comment je monte? Hey, cool. Span here. Ah, quoi de même, non, d'abord. Tu regardes mon petit chapeau. Hein? Hey, Florent. Hey, c'est confortable? Hey, ça va bien. Ah, vous pouvez. On s'en va à ma lieutenant. Ok? C'est par où, maintenant? C'est par où? Par là, hein? Par là! Dépêchez! Là-bas! Florent, c'est le bateau du désert, hein? C'est la barque du désert. Le canot? Le canot du désert, oui. Le canot du désert? Oui. Attention, mon ami, là! Mon ami! Ceux qui ont Billy, le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Donc il ne faut pas s'étonner si on trouve des puits, des petits hauts, des... quelque part dans le désert. C'est difficile comme vie, mais les gens se sont adaptés facilement. Hein. Avant, il y avait des nomades ici qui partaient jusqu'à Tombouctou, jusqu'au Mali, au Niger. Mais maintenant, on ne peut pas franchir des frontières. C'est assez limité. On te demande un passeport. Ces nomades qui ne sont pas habitués à ces documents, donc, parce qu'ils croyaient que ce territoire... C'est encore la question des autorisations. Absolument. Une autorisation. Et un passeport. Maintenant, les nomades existent de moins en moins. Le mode de vie nomade, il est entre le marteau et l'enclume. Mais on rencontre les derniers nomades, finalement. Les danses que vous faites, c'est l'origine, c'est l'Afrique. Okay. Ce qu'on appelle l'ancien Soudan. Okay. Le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée. Nos ancêtres sont peut-être venus avec pendant la période des caravanes de commerce. Okay. Entre le Tafilalt et certains pays et le sud saharien, le Sahara. Gnawa, c'est le port et la principale ville de Cameroun. Où ils sont les filles? Les filles, ils ne jouent pas avec les filles. Ils chantent Non, ils chantent, mais pendant les mariages, bien les fêtes familiales. Ok. Je joue avec les filles. Okay. Est-ce que je peux l'essayer? Oui, pourquoi pas. c'est comment? Comme ça? Non, là. Oui, jouer avec ça aussi. Ok, juste comme ça.
Merci mon ami. Ah merci. On apprécie. Non, 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 non. Ça vient jouer bien. C'est jouer bien. Tout nouveau resto ouvre ses portes. C'était écœurant. Et au menu, une foule de personnages rafraîchissants, des gags savoureux. Et pour dessert, des grands papas dans le sirop. Le tout accompagné d'invités bien corsés. Oh la vache, il y en a pour tous les goûts, putain. Et vous allez voir, ça goûte vraiment drôle. Si jamais je meurs, autant vous le voir toute ma vie. Casse-croûte chez Albert, ce soir, 20h. Ça commence, au samedi de l'humour. Pour tout ce que l'on fait, pour tout ce que l'on donne, pour tout ce qu'on promet, qui s'abandonne. Mais qu'est-ce que donne la vie, pour ce qu'elle nous apprend, d'en arriver ici, juste à ce moment, d'en arriver ici. Passat 2008, l'ingénierie allemande, à partir de $27,475, vous y êtes. Saint-Hubert. Mais là, j'ai pas commandé de poulet, moi. Ah, c'est une joke. Le printemps pointe enfin à l'horizon et Winners est déjà sur les lieux pour cueillir le dernier cri de la saison. Les vêtements, chaussures et accessoires de grandes marques qu'ils envoient à l'aide de leur système de livraison breveté. Des arrivages quotidiens de nouveaux articles jusqu'à 60% moins cher. Winners, on gagne à y aller souvent. Allez, on y va! Une seconde, j'ai pas fini! Ces trucs-là, ça m'énerve! Les miennes sont confortables! Bah, je pas maintenant! Faut que j'enlève ça! Il existe maintenant un moyen plus facile de se blanchir les dents. Les nouvelles bandes blanchissantes de Listerine. Ça blanchit les dents, puis se dissout complètement. De Listerine! Obtenez maintenant une carte récompense Bridgestone valant jusqu'à $100 à l'achat d'un jeu de 4 pneus Bridgestone admissibles. Pour ceux qui veulent optimiser le rendement de leur véhicule, c'est Bridgestone ou rien. Bonjour, je m'appelle Galen Weston. Ça, c'est votre lave-vaisselle. Il y en a des millions comme ça partout dans le pays. Ça fait beaucoup de vaisselle propre et d'eau polluée par des phosphates nocifs. Le nouveau détergent écologique pour lave-vaisselle, le choix du président, nettoie aussi bien que les plus grandes marques, mais sans phosphate, pour de la vaisselle propre et un pays un peu plus propre. Brillant, non? Les produits écologiques verts, le choix du président, ça donne le goût de changer de supermarché. Dormez tranquille avec la serviette Always Ultra de nuit, plus longue à l'arrière. Conçue exprès pour offrir une remarquable protection de nuit. Un rêve devenu réalité. Bonne et heureuse semaine, Always. C'est le temps de ta prière. Oui. Le maître chante, c'est une pause. Tu prends ton bagage, tu le mets à terre. Ça libère, tu libères ton esprit, c'est ça. Le... Puis ça, c'est tes intentions. Je le dépose. Tu le déposes sur le feu. Vas-y, Yashua. Pas bien. Je suis certain, là, tu peux se mettre, tu te demandes au bord.
On va rentrer les cailloux, monsieur. Mm-hmm. Très bien. On va rentrer les grands-pères. Le mot chaud, le mot chaud. Quoi de temps? Quoi de temps? Donc, Si tu rentres dans le rituel, c'est retourner dans le ventre de sa mère. C'est la vision du rituel. Donc, quand il est votre frère. Tout à fait. Il vient de rejoindre la famille. On est les triplets. On est devenus des triplets. Oui, c'est sûr, des triplets. Ouais. Tu te rappelles, Yeshua, hein? Quand on a été ramasser les cailloux. Sur le bord de la mer. Alors, c'est avec ces mêmes cailloux-là que l'on va se purifier. C'est la dernière que je vais rentrer pour le moment. Il y a beaucoup de traditions qu'on a quand même oubliées. Hein. Mais la langue, elle est toujours là. Si je peux dire, on est original et adaptable, les deux. Oui. On est originaire du Sud, mais on s'adapte même à une vie qui est hors de celle de chez nous. C'est similaire chez nous aussi. Là. Je pense que le défi en tant que peuple autochtone, qui vivons sensiblement la même chose, c'est d'essayer de trouver un équilibre. Et un bel équilibre entre les traditions, les gestes traditionnels et la modernité, les valeurs. Les valeurs qui nous ont été transmises par les anciens. Le respect beaucoup. Chez nous, les anciens nous ont appris beaucoup de choses par rapport au respect, respect des autres, respect de la nature, respect de l'humanité et toutes ces choses-là. Être en communion, communion avec la terre, la nature, les lacs, les montagnes. J'ai amené des photos. Ah oui? Des photos, c'est des lacs qu'on visite, nous, en forêt, l'automne, beaucoup l'automne, le printemps, là, tu vois. C'est des lacs comme ça, ici, là. Au nord de Manutenam, là. On a fait ça un peu avec toi. Regarde, on marche dans des sentiers comme ça, partager des... Ouais. On fait du partage de... La neige. Ça, t'as vu chez nous, hein, Yeshua? Oui, la tienne, il est presque comme ça. Il est comme ça. Et vous pouvez rester là-dedans en hiver? Tout à fait, tout à fait. Moins 40, moins 50 degrés. Et c'est là? C'est pas le froid, non, la glace, c'est la glace totale. Ça aussi, ça existe. C'est glacial. Hein. Regarde l'hiver chez nous. C'est les motos. C'est spécial. Ici, on est en train de faire un trou pour pêcher dans la glace. Et on est sur un lac ici. Un lac qui est glacé. Oui. C'est des lacs comme ça ici, là, comme ça. Et ça marche? Ça marche très bien. Non, c'est peut-être ça. Après 3 nuits de froid, c'est à peu près 1 pouce. Là, ça peut supporter le poids d'un homme. Le guide, avec son bâton, il vérifie l'épaisseur de la glace
Lui, il dit, c'est bon, c'est bon. Ils vont aller dans le milieu du lac. Tu vois l'eau dans le fond. Mais il y a ça d'épais. Puis des fois, tu marches dans la glace, puis ça fait... C'est dangereux. Tu y penses un peu. T'sais? Non. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous tous. Merci de nous accueillir. Oh, tu t'as un petit Oh, oh, oh. Oh, 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 hey. Hey. Je suis content qu'on fasse ça ici ensemble. Ah oui. Toi et moi, Florent. Ça me fait grand plaisir. Hein. Et ça, c'est touchant. Hein. C'est vraiment, ça va direct dans le cœur. Hein. C'est le Matachan, je ne savais pas. Oui. Oh! Miwo, ici, t'es conscient qu'il y a quelque chose ici sur la planète de vivant. Oui. T'es conscient ici, là. Plus qu'à l'extérieur, tu vois. Tu prends ton bagage, tu le mets à terre. Ça libère, tu libères ton esprit. C'est un honneur. Ouais. Un honneur pour nous. Pour moi aussi. Que tu puisses faire un Metoshan avec nous. Oui, moi aussi. Un honneur. Personnages rafraîchissants, gags savoureux et invités bien corsés sont au menu du Casse-Croûte chez Albert. Ce soir, 20h. Ça commence au samedi de... Yeah!
Vos mardis ont l'air de quoi? Les mardis dangereux, tous les mardis à Canal D. La terre est le bien le plus précieux qui soit. Et c'est encore plus vrai pour les producteurs du lait Natrel Nature Pure. Car ils possèdent non seulement leur propre terre, mais aussi l'entreprise au complet. Et lorsque leur terre passe d'une génération à l'autre, ils en retirent une grande fierté. Parce que c'est d'elle que provient le lait qui pourrait devenir du lait Natrel. Un lait filtré avec soin, sans agent de conservation, qui reste frais plus longtemps. Chez Natrel, nous croyons qu'en respectant la terre, c'est tout notre passé, notre présent et notre avenir qu'on respecte. J'adore être Monsieur Réactine, car j'aide à soulager les gens de leurs symptômes d'allergie. Comme Pierre, qui semble avoir trouvé sa balle. Et un soulagement des allergies à l'herbe et au pollen. Et Sophie, qui a découvert comment passer la journée dans un nuage de poussière. Tiens, là Jérémy, tout fier et soulagé de pouvoir enfin flatter un chat. Rien d'étonnant à ce que Réactine soit le médicament contre les allergies le plus vendu au pays. Réactine sans somnolence, un soulagement qui tient la route. Allez-y pour le goût. Un goût énergisant. Un goût de bien-être. Un goût équilibré. Un goût de nature. Un goût satisfaisant. Allez-y pour le goût rafraîchissant du thé vert glacé de Lipton. Fait de nos feuilles de thé de qualité et de savoureux mélanges d'agrumes. Le thé Lipton peut faire ça. Dans un moment comme celui-ci, vous ne pensez probablement pas à votre appareil photo, mais plutôt à la photo superbe que vous pourriez prendre. Et avec le tout nouveau Rebel Excessi de Canon, vous ne pourriez viser plus juste. Rotoculteur et tondeuse sans fil Yardworks. Chaque modèle est muni d'une batterie amovible de 24 volts qui se recharge dans la tondeuse ou séparément. L'entretien paysager commence chez Canadian Tire.